2023. Révérend Père, révérende sœur, chers membres de l'administration de l'école Jean-Paul II, chers professeurs, chers parents, distingués invités, chers élèves, bonjour, bonne fête Jean-Paul II. Un pape qui a marqué son temps à travers les multiples visites missionnaires. Ce saint polonais a visité notre pays en mars en 1983 en laissant un célèbre message qui reste encore actuel. Il faut que les choses changent ici, que les pauvres recommencent. En ce jour mémorable, nous fêtons les 45 ans d'existence de notre dite institution, fondée en 1978 par les filles de la charité qui se donnent entièrement au service des enfants de la commune de Tabar. En ce 22e dimanche du temps ordinaire de l'année A, les textes du jour soumettent à notre méditation la foi et la loi. Rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. L'homme est libre et responsable de ses actes qui doivent être toujours guidés par l'amour et la justice. Dans cette belle célébration, prions pour toutes les personnes qui œuvrent dans cette institution, pour tous nos bienfaiteurs et pour tous les élèves que par l'intercession de Saint-Vincent, de Paul et de Saint-Jean-Paul II, nous arrivions à éduquer de bons et de vrais citoyens pour une société plus juste et plus humaine. À présent, sœurs et frères, je vous invite à vous lever pour chanter les merveilles de Dieu. Chantez, priez, célébrez le Seigneur. Dieu nous accueille, peuple du monde. Chantez, priez, célébrez son nom. Dieu nous accueille dans sa maison. Il a au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Oui, j'ai vraiment péché. C'est
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Nous prions en action de grâce pour Isaac Ananski et pour notre chef école Jean-Paul II qui célèbre 45 ans d'existence. Dieu riche en miséricorde, tu as appelé le pape Saint Jean-Paul II à guider ton église répandue dans le monde entier. Accorde-nous, fort de son enseignement, d'ouvrir nos cœurs avec confiance à la grâce du salut apporté par le Christ, unique rédempteur de l'homme. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Le prophète Isaïe annonce la grandeur, la bonté et la manière
magnificence de Dieu qui marche toujours avec son peuple pour le libérer des forces du malin, malgré son incrédulité. Cette lecture est extraite du livre d'Isaïe au chapitre 45, les versets 1 à 4, plus le verset 6. Le psaume 96 fera l'objet de notre méditation. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Dans la deuxième lecture tirée dans la première lettre aux Thessaloniciens, au chapitre 1, les versets 1 à 5, l'apôtre Paul les exhorte à mettre en pratique les trois vertus théologales, à savoir la foi, la charité et l'espérance pour vivre vraiment un peuple choisi par Dieu. Écoutons. Ainsi parle le Seigneur à son Messie, à Cyrus qu'il a pris par la main, pour lui soumettre les nations et désormais les rois, pour lui ouvrir les portes à deux battants, car aucune porte ne restera fermée. À cause de mon serviteur Jacob, d'Israël, mon élu, je t'ai appelé par ton nom, je t'ai donné un titre, alors que tu ne me connaissais pas. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. Or moi, pas de Dieu. Je t'ai rendu puissant, alors que tu ne me connaissais pas. Pour que l'on sache, de l'Orient à l'Occident, qu'il n'y a rien en dehors de moi. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Redoutable de ceux de tous les
Paul, Sylvain et Timothée, à l'église de Thessalonique, qui est dans Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. À vous, la grâce et la paix. À tout moment, nous rendons grâce à Dieu au sujet de vous tous, en faisant mémoire de vous dans nos prières. Sans cesse, nous nous souvenons que votre foi est active, que votre charité se donne de la peine, que votre espérance tient bon en notre Seigneur Jésus-Christ, en présence de Dieu notre Père. Nous le savons, frères bien-aimés de Dieu, vous avez été choisis par lui. En effet, notre annonce de l'Évangile n'a pas été chez vous simple parole, mais puissance, action de l'Esprit Saint, pleine certitude. Selon Saint Matthieu. Chapitre 22, du verset 15 au verset 21. En ce temps-là, les pharisiens allèrent tenir conseil pour prendre Jésus au piège en le faisant parler. Ils lui envoient leurs disciples accompagné de partisans d'Hérode. Maître, lui dit-il, nous le savons, tu es toujours vrai et tu enseignes le chemin de Dieu en vérité. Tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens. Alors, donne-nous dans ta vie. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César ou à l'empereur? Connaissant leur perversité, Jésus dit, hypocrite, pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Montrez-moi la monnaie de l'impôt. Ils lui présentèrent une pièce d'un denier. Il leur dit, cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles? Ils répondirent, de César. Alors, il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louons à toi, Seigneur Jésus. Les enfants, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Ah, malgré nous, gagnons-nous bien? Malgré nous, gagnons-nous bien? Oui. Nous pas gagnons-nous? Oui. Nous gagnons-nous? Nous n'en faisons nous gagnons. Là, on a fait au bagage, non? Là, on a fait tout ce qui est content. Et quand on sait qu'on a fait là, oui? Là, on a fait toute la vie, ça va gagner grand goût. Ok. Nous sommes rassemblés façon spéciale. Qu'est-ce qui nous rassemble ce matin? Hein? Quelle est la raison d'être de notre présence ce matin? La fête de...
Jean-Paul. Oui. Sans doute vous connaissez très bien ce saint-là, Jean-Paul II. Il est né quand? What? Piège. Où ça? Bien sûr, nous. Donc, Jean-Paul II est né le... Voilà, très bien, c'est la bonne réponse. 10 points. Maintenant, l'école porte ce nom. D'après vous, pourquoi on a choisi Jean-Paul II? Pourquoi on n'a pas fait choix de mon nom? Hein? Pourquoi on n'a pas fait choix de mon nom? Pourquoi c'est Jean-Paul II? C'est le... Pourquoi c'est Jean-Paul II? Là, bienvenue. Donc, vous devez savoir qu'il n'y a pas que cette école qui porte ce nom. Donc, il y a beaucoup d'institutions, beaucoup, beaucoup dans le monde qui portent le nom de Jean-Paul II. Maintenant, on peut poser la question, pourquoi on fait choix? Pourquoi autant d'institutions ont fait choix de Jean-Paul II? Pourquoi ces institutions-là portent Jean-Paul II? Vous n'avez pas la réponse. Moi, je dirais, c'est parce que Jean-Paul II, c'est un personnage important. C'est quelqu'un qui a marqué son temps. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? C'est parce qu'il avait une façon de vivre, il y a une manière de vivre. Donc, c'est pourquoi les institutions ont trouvé bon, elles ont jugé bon de donner ce nom-là à leur institution. Jean-Paul II, parce qu'il a donné de bons témoignages de sa vie. Ok, Jean-Paul II était pape, n'est-ce pas? C'était quand la date de son intronisation? C'était quand la date de son intronisation? 2016. Quelle est la date de son intronisation comme pape? C'était quand? C'est ça, non? Mais qui l'est? Qui l'est? Qui l'est? Le 16 octobre? C'était le 22 octobre 1978. Donc, lors de son intronisation, dans son homélie, il avait fait une déclaration assez importante qui peut nous servir encore aujourd'hui, surtout en Haïti. Je vais prendre une phrase. Il disait, n'ayez pas... Ah non, non, bon, c'est une bonne phrase, ça, non, bon. Il te dit, n'ayez pas peur. Il te dit, pinga non peur. Et je ne vous dis, hein, c'est même appel ça, nous avons toujours dit dans le pays d'Haïti. Malgré ça qui a passé dans le pays, hein, n'ayez pas peur. Jean-Paul II, il dit, il était proche des jeunes. Il aime les jeunes. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc Jean-Paul II, il était aimé jeune yo en pile en pile en pile. Il était aimé Timoun en pile en pile en pile. Il était aimé la famille. Puis je dis, la famille sont-ils l'église? Donc c'est dans la famille là pour Timoun yo commencer à apprendre prier. Mettez-moi un amour spécial pour jeune yo. Et côté pape là t'es passé. Dit à Simaé, yon mot qui molte. Bon mot ça. Côté le passé, il est dans le commentaire là. Côté le passé, la Simaé. Si des jeunes mots qui vont nous ça là, ballon visa pour Nicaragua. Bon mot non. Depuis nous, bon qui molle, on mot. Côté le passé, la Simaé, mot ça. C'est pas charité, pour l'autre mot. L'université verset théologue, allez, ok. Nous, charité, on allez. Espérance. Côté. Pape la passé, dit à Simaé, espérance. Je t'ai relé Pape Jean-Paul II, le pèlerin d'espérance. Côté pas de la vie, pas de espoir, dit à pas espoir. L'idée jeune comme ça, vous êtes l'avenir du monde. L'espérance de l'église
et vous êtes mon espérance. Donc, oh, Jean-Paul II, merci, dit Absimaé, espérance. Et si nous le dirons, mes jeunes, il y a un gros mouvement qui est dans l'église là. Qui relève, comment relève, qui saute fait là? JMJ. Donc c'est lui-même qui démette JMJ. Sous quelle année? Dans l'année 1984. Dans l'année 1984, Pape Jean-Paul II il était créé Journée mondiale de la jeunesse. Donc au grand rassemblement, Pape Jean-Paul II il déclarait: vous êtes les hommes et les femmes de demain. Dans vos cœurs et dans vos mains est contenu l'avenir. Vous êtes les hommes et les femmes de demain. Dans vos cœurs et dans vos mains est contenu l'avenir. Et comme je l'avais dit au début, parole ça y est, nous capables de faire un panneau, je ne le dis pas. Espoir pays, n'importe ça d'entendre, n'est pas dans voyager. Mais espoir pays, c'est dans nous. Nous-mêmes qui la cap grandi là, nous c'est espoir pays. Dans tant qu'à venir, mais on est pour mourir, il faut que les gens qui remplacent les gens. Saint Jacques est pour mourir, il faut que les gens qui remplacent. Moi-même, je suis pour mourir. Il faut que je ne me dans pas qui vient faire peur. Afin que je ne pas faire peur, il faut que je faire peur. Parce que les mourir, il faut que les gens viennent remplacer. Même gens au niveau pays, les dirigeants ont mouru, je ne veux dire, dans quelques temps, c'est nous-mêmes qui allons remplacer. Donc, vous êtes l'avenir de ce pays. Que l'on veut ou non, demain pays, il dépend de nous. Nous ne connaissons pas la portée, nous ne connaissons pas à qui ça va venir. Mais demain pays, c'est dans nous. En pilant nous qui là, c'est nous qui prenons le ministre, c'est nous qui prenons le président, c'est nous qui prenons le premier ministre, sénateur, député, c'est nous-mêmes. Donc, avenir pays, c'est dans mes nous liés. C'est pour ça, l'école là, nous devons profiter à apprendre. Nous devons profiter bien à apprendre parce que espoir demain, espoir pays, c'est dans mes nous liés. Donc, c'est ça, Pape Jean-Paul II dit tap marché Simaé à travers le monde entier. Et comme nous t'entendons dans le commentaire là, Pape Jean-Paul II lui visité plus que 127 pays. Il était le pape voyageur. Son pape qui était toujours à voyager. Et dans le pays de visiter, il a visité Haïti, soit 9 mars 1900. Comme qui allait 1983. Et mon phrase qui te dit, tu prends dans le commentaire, ça le dit, ça va ça le dit. Il faut que les choses changent en Haïti. Et là, qui est le président? Jovenel? Qui est le président de 1983? Haïti, qui est le président de 1983? Qui monde? Jean-Luc Dubaillet. Ici, il y a des bons en pile. Donc, les visites 127 pays. Et côté le passé, il t'a simaé espérance. Parce que dans le pays, ça, c'est toujours une guerre, c'est toujours un grand goût, c'est toujours un problème politique, c'est toujours une dictature. Donc, il était toujours à voyager pour rencontrer un chef d'État. Pour dire, suspendre dans le jeu à malmener la population. Et c'est ça le début en Haïti. Parce qu'à l'époque, en Haïti, c'est une dictature. Il était venu, il était dit, faut que condition mounia vivio changer. Faut que le système non changer. Et c'est ça le devine déclaré. Et Pape Jean-Paul II, comme je disais tantôt, il était aimé par tout le monde. Et c'est peut-être ça, après 26 ans, 5 mois et quelques jours, il était mouru. Et l'aile mourit, c'est toute fidèle dans le monde entier qui t'a slogué une seule parole, qui t'a prévu une seule parole. Qui parle l'idée? Qui parle tout de suite d'a demandé après la mort de Jean-Paul II? Qui s'en a demandé? Il t'a demandé pour y mettre saint. Tout fidèle demandé pour y mettre pape là saint. Et si on n'a pas qui saint, plus rapide. Et dans qui a une date complète, Jean-Paul II, c'est saint. Qui a été canonisé comme saint? Rétez. Dans qui a été mettre pape Jean-Paul saint? Date complète. Très bien, mais c'est le 27 avril 2014. Pas qui parle.
Le pape François. Qui pape François. Pape François. Comme son des noms, moi c'est nous là tout le monde. Le pape François, c'est lui-même qui a canonisé Jean-Paul II. Donc Jean-Paul II travaille. Œuvre, il était gravé dans la mémoire de tout le monde. C'est un pape qui était dans le même monde. C'est un pape qui a travaillé pour unité. Et c'est sous lui-même tout, tout chef religieux, toute religion nette, c'est arrivé chita ensemble, puis on était prié ensemble. C'est lui-même qui a pris l'initiative ça. Toute religion dans le monde nette, toute responsabilité chita ensemble, puis on était prié ensemble. Donc son pape qui a travaillé pour l'Église. Son pape qui a travaillé pour respect de la dignité de la personne humaine. Et c'est peut-être ça. Nous-mêmes qui dans l'école Jean-Paul II, nous-mêmes qui venons pour recevoir des instructions, pas seulement de l'école pour parler nous, mais pour nous chercher vivre charisme Jean-Paul II. Pour apprendre nous dans l'école là, des notions pour nous capables de faire une formation humaine intégrale. Une formation humaine intégrale qui a poussé nous pour nous engager nous dans l'avenir. Pour nous engager nous pour travailler pour qu'il y ait plus de justice dans le pays. Pour nous travailler pour le bien commun. Pour nous travailler pour nous respecter la dignité du monde. Nous n'avons pas formé nous dans Jean-Paul II pour pire devant les nous grands. Pour se voler dans l'État. Il n'y a pas formé dans Jean-Paul II, ou puis devant, c'est nous qui avons posé plus mauvaise action, pour nous kidnapper, pour nous touiller. Il a formé nous pour être des citoyens honnêtes et puis respectueux. Bon lycée dans la zone là. Oh, c'est télévision, mais quand même, bon lycée dans la zone là. C'est mon chef qui était là-dedans. Directeur lycée, il y a longtemps, même chez des de l'école à faire des autres, directeur lycée a fait tuer la bâton. Oh, mais monsieur Gobo dit qu'on y a. Monsieur Kalissa va vous travailler qu'on y a. Lui va vous dire qu'on travaille. Mais lui dit Kalissa, on va vous mettre des problèmes, mais lui, ils sont bien d'affaires pour moi. Donc, nous, pas former nous, pour pire devant, c'est un dans nous qui va empêcher l'école à fonctionner. Pour c'est un dans nous qui vient de chef dans le tabac là, qui vient de groupe gang, et puis pour empêcher l'école à faire. Non. Il a formé nous pour qu'il y ait des citoyens qui vont engager pour changer le pays d'Haïti. C'est peut-être ça, nous devons chercher à imiter, nous devons chercher à copier la vie Jean-Paul II. Pour nous, c'est un monde qui n'est pas égoïste, c'est un monde qui n'est pas très bien vengeance, c'est un monde qui a construit, qui a travaillé pour la paix. Et nous-mêmes, tout, comme élèves, nous devons avoir comme vision, comme devise, travail pour gagner la paix, travail pour gagner la tranquillité. Travail pour qu'on concorde. Et ça ne nous pas priver sans parents qui sont avec nous. Parents doivent inculquer la caille nous, notion ça autour. Ils doivent accompagner nous pour nous faire des citoyens responsables. Donc, parents qui là, qui viennent fêter avec l'école Jean-Paul de 45 ans, nous-mêmes, tout nous devons accompagner Timounio. Ce n'est pas celle l'école là, mais nous-mêmes, nous avons un travail pour nous faire. Donc, bâtir Timounio, bon exemple. Bâtir un bon exemple qui peut aider eux, des citoyens respectueux. Parce que l'école Jean-Paul II a fait travail par là, et puis nous-mêmes, nous avons l'autre bagaille. L'école l'a codé, et puis la cala, nous avons décodé. Et nous connaissons ça, si nous avons dit que nous arrivons à l'école là, si nous battons maman, on marie battre maman, dominant la cala, nous disons mademoiselle là ça. L'école là, dit ah, papi, des battements hier soir, oui, c'est pas des battements, papa, oui, non. Donc, la vie nous aborde ça qui va faire la cala. Même si nous avons joué, la vie nous joue dans l'école là. Toute parole qui dit madame ou dans la la vie nous dit dans l'école là. Donc, espoir Timounio, espoir Péia, il dépend de Timounio. Mais nous-mêmes, pendant tout, nous devons assumer responsabilité nous pendant l'école là, la fait travail par là. Et je dis à nous, dans parole nous dit dans l'évangile là, monsieur est venu pour prendre Jésus-Christ dans le piège. Ils sont venus pour être capables de piéger. Ils ont demandé est-ce qu'on doit payer impôt. Et Jésus-Christ prend répondre à une question piège. Il a dit rendez à César ce qui est à César. Donc, dans l'époque là, c'est César qui était chef. C'est lui qui a dirigé. Donc, tout ça qui vient pour lui, c'est pour lui.
c'est respect pour autorité établie. Donc, on moune, puis gars, on met un moune responsable, on vous dit non, ma même pas figuille. Depuis, c'est lui-même qui est responsable, c'est lui-même qui est responsable. Ça dit, c'est ça. Et vous devez obéir. On va me dire non, il va parler français bien, n'est crasé, ma même pas de matemat. Non. Même Jean-Professeur vient dans la salle, c'est lui qui est professeur dans la salle. Ça dit, c'est ça. On va pas dire par la même forme figuille professeur, figuille crasé, figuille en bord, par la même, professeur Abdouko. Non! Professeur Abdouko, ça c'est Douko par professeur. Mais depuis le palais, faut que nous tendons. C'est lui-même qui est responsable dans la salle. Même Jean en Haïti, qui est le président d'Haïti? Qui est-ce qui a dirigé? Ariel qui a dirigé. Donc tout le monde doit respecter Ariel. Qui... Donc, c'est pas le cas dirigé. Qui doit aimer Ariel? Qui doit pas aimer? Ou doit respecter Ariel? Donc, pinga personne en met des PM. Non. Si on met des PM, non, PM n'a fait 2030. Donc, pas en met des. Donc, quel que soit le monde qui est responsable, normalement, dès que c'est lui qui est responsable, c'est lui qui est responsable. Nous devons respecter l'autorité établie. Si vous nous révoltez, nous révoltez. Mais quant à respect pour l'autorité, nous devons respecter. Et ça, depuis qu'on a commencé dans la salle de classe, il y a des gens qui sont président de la salle. Si vous nous mettez président de la salle, il faut être capable de respecter. Et cependant, nous pitié, nous commençons à respecter l'autorité jusqu'à ce que nous grands, nous respections l'autorité nette. Même Jean, papa ou maman, c'est lui qui est autorité dans ce cas-là, ou de respecter papa ou de respecter maman. Parce que c'est eux-mêmes qui sont chef de cas-là, c'est eux-mêmes qui sont responsables dans ce cas-là. En demandant mon Dieu, pour lui capable de nous pile grâce et bénédiction, nous célébrer fête Jean-Paul II. Jean-Paul II, c'est Jean-Paul II qui s'est battu pour nous. Nous demandons pour lui capable de prier pour nous. Pour lui capable de mettre dans nous toute vertu qui est gagnée. Toute salle à vivre comme qualité pour que nous capables de sembler avec elle. Et si nous semblons avec elle, nous agissons même Jean avec elle, nous vivons même Jean avec elle. Et dans le dernier jour, ensemble avec lui, avec tout l'autre Seigneur, nous bénéficions de la vie qui va bien finir, hein, qui c'est la vie papa, qui est là avec l'Esprit Saint. Hein. Amen. En capé, qu'on a pour déclarer la foi, nous n'avons pas Dieu. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Notre Seigneur qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a passé sous votre âme, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Et qu'on ait rendu ce bail, mon Dieu, tout est en sorte de prière, nous. Saint-Jean-Paul II, prions le Seigneur. Nous te prions, Seigneur, dans ton amour.
savons que faire. Seigneur, aide-nous à nous unir pour bâtir vraiment ce monde meilleur que nous espérons tous. Prions le Seigneur. Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde, et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par le Christ, notre Seigneur. Oh, my.
d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, le sacrifice de ton peuple en l'honneur de Saint Jean-Paul II. Nous l'offrons pour te glorifier, qu'il contribue à notre salut éternel. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut. De t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme rédempteur et sauveur. Dieu fait homme conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté, et rassembler un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire, et d'une seule voix, nous proclamons. De toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion,
il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Même après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. De la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimé dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, te demandons qu'en part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir de ta charité en union avec notre pape François, votre archevêque Max Léo Mésidor et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espoir de la résurrection et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur tous enfin, sur notre pays, sur notre école Jean-Paul II, sur Isaac Alansky qui célèbre son anniversaire de naissance, sur les jeunes, les pauvres, les malades, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. En lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Quand nous l'avons appris du Sauveur, et sur son commandement, nous osons dire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenu ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règne pour les siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Yeah.
Pour cette vie mortelle et nous obtiennent la joie de l'éternel bonheur. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Tichita. Chers pères, chères sœurs, chers collaborateurs, chers parents, chers élèves et anciens élèves, en voici quelques citations. N'ayez pas peur. Au contraire, ouvrez grand les portes au Christ. Il adressait aussi à la famille. La famille devrait être la première école de religion, la première école de prière. Nous magnifions le Seigneur pour toutes les grâces reçues. Nous voulons remercier tous ceux et celles qui nous ont apporté la main forte afin que nos enfants puissent recevoir une éducation de qualité. La fête a été possible grâce au dévouement de certaines personnes, comme toutes nos sœurs de la communauté de Jean-Paul II et toute particulière notre sœur Angela Magofi, qui s'est dévoué corps et âme pour la spiritualité dans notre école. Un grand merci au révérend Père Dieu Reims et le tien, qui se fait disponible pour nous
service. Un grand merci à tous nos collaborateurs, nos chers professeurs, les membres de la direction, les personnels de soutien, sans oublier les infatigables comités de logistique, M. Mario, M. Mackinson, M. Jacques-Claude, M. Bolira et tous les autres JMV. Merci à Mme Esther, qui était là depuis ce matin, de très tôt, pour la décoration. Un grand merci à la télé Radio Soleil qui est toujours là pour transmettre nos messages. Merci aux comités de parents qui sont toujours présents pour nous soutenir. Merci aux musiciens et nous dit merci à tout le monde qui t'a collaboré pour faire ça, t'es capable. Nous disons tous les parents qui présent matin, nous disons merci, merci. Et ne pas oublier le comité d'accueil, l'école Jean-Paul II, 7e, 8e, 9e année. Un grand merci et bonne fête. Eh bien, la campagne qu'on a pour nous recevoir la bénédiction finale. C'était après Mesla, donc belle réception. Par contre, c'est bien cabrit. Oui. Cabrit. Cabrit, viande, poule, cochon. Moi-même, là, il mange, je vais manger. Déjà, je souhaite une bonne fête. Je souhaite tout ça, meilleur, partager avec nous sur Jean-Paul II. Tout ça, il a expliqué nous sur la ville. La pique meilleur. N'a imité, n'a copié, pour nous capables de vivre, sembler, même gens avec Saint Jean-Paul II. Et sur l'école qui grand ou nuit, l'école a gagné 45 ans. Sur l'école qui grand ou l'école a bien avancé. L'école a gagné 45 ans. Donc, nous faisons commencer le travail, nous espérons que notre génération encore a profité de l'école. Et qu'on a fait silence pour nous capables de recevoir la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous